fait, mes intentions, elles étaient hyper simples. C'est que moi, ça faisait 15 ans que j'étais pas allé en Égypte. Et je cherchais un moyen de retourner en Égypte. Je cherchais un moyen d'y aller. Et comme j'avais coupé moi, les contacts avec ma famille, avec tout le monde, c'est vachement difficile de retourner dans un pays ou de revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis 10 ans, décrocher son téléphone pour dire bonjour, comment ça va, etc. Donc je me disais, tiens, le seul moyen légitime que j'ai pour retourner en Égypte, c'est peut-être d'y aller en tant que cinéaste avec un projet de film. Donc voilà, mon intention au départ, c'était ça. Je cherchais, pas un prétexte, mais un moyen d'aller en Égypte, voilà, à travers un film que j'allais faire. Et puis un jour, il y a cette scène que je raconte un petit peu au début du film, de la cassette, où tout à coup, voilà, il y a une copine qui débarque, qui ramène une cassette vidéo sur l'apparition de la Vierge, et ma mère qui se met à hurler qu'elle voit la Vierge, moi je vois rien. Et là, je me dis, mais voilà, le film va partir de là, parce que je trouvais que ce point de départ, pour moi, était quelque chose d'hyper intéressant. Quand on regarde un film de fiction, il y a plein de codes en fait. Des codes permanents qui font qu'on essaye d'effacer le cinéma. Par exemple, les gens ne regardent jamais la caméra. Pourquoi les gens ne regardent jamais la caméra quand vous allez voir un film? Parce qu'elle n'est pas censée exister. Parce qu'elle n'est pas censée exister, exactement. Et pourquoi elle n'est pas censée exister? C'est pas pour que ce soit plus réel, mais pour que ça nous donne l'illusion que ce soit plus réel. C'est-à-dire que pour que nous, spectateurs, en fait, on puisse regarder un film en ayant l'impression qu'on est des spectateurs invisibles de quelque chose qui se passe sous nos yeux. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'en gros, que ce qu'on voit quand on va au cinéma, ça se passe au temps présent devant nous et que nous, voilà, on est caché dans l'ombre et on voit quelque chose qu'on n'a pas le droit de voir. Voilà. Si les acteurs dans un film se mettaient à regarder la caméra, ça changerait notre position à nous de spectateurs. On serait plus... dans le même rapport un peu voyeur qu'on a dans les films, quoi. Donc il y a plein de codes, en fait, de conventions comme ça dans les films de fiction ou autres, qui font qu'on essaie de cacher un certain nombre d'éléments pour faire avancer l'histoire. Et pour moi, cette question de l'argent et de l'économie fait partie aussi des choses qui ne sont jamais évoquées dans les films et qui, pour moi, sont essentielles, quoi. Elles font partie du processus. Pour moi, le refus, ça ne me pose aucun problème. Que les gens me disent « j'ai pas envie », ça ne me pose pas de problème à partir du moment où ça me permet de réfléchir sur pourquoi ils n'ont pas envie. Donc la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est pourquoi ma mère, elle refuse de manière aussi violente qu'on aille filmer au village. Et en fait, c'est révélateur de quelque chose qui est très très présent en Égypte, c'est l'image. Elle vient d'un village qui est très pauvre, et il y a une certaine... elle est sortie de ce milieu-là, elle, en fait. Elle s'en est sortie, elle a réussi, et il y a une certaine honte à montrer cette image-là de soi. C'est-à-dire la pauvreté, des gens qui sont pieds nus, etc. etc. Et c'est là où il y a un point de désaccord entre elle et moi, c'est qu'elle dit « tu peux pas filmer des pauvres parce que c'est sale, c'est dégradant, et les gens, quand ils vont regarder le film, ils vont dire « regardez, c'est des pauvres, c'est sale, c'est dégoûtant ». Et moi, ma position de cinéaste, elle est « mais maman, je vais pas filmer des pauvres, je vais filmer des gens ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où on filme des gens, on filme des personnages, on ne regarde plus des gens comme étant des pauvres ou pas des pauvres, mais on les regarde comme des personnages dans une histoire. Il y a celui qui parle plus fort que les autres, etc., etc. Et elle me dit, mais tu te trompes, Namir, parce que toi, tu crois ça, mais on le voit, on verra toujours que c'est des pauvres, et c'est ça qu'on va regarder dans le film. Et d'une certaine manière, j'ai raison, et d'une certaine manière, elle a raison. C'est-à-dire que elle, quand elle a découvert le film, par exemple... elle s'est marrée, elle a beaucoup rigolé, et finalement elle a vu des personnages, alors que c'était sa famille, alors qu'elle avait super peur de ce qu'elle allait avoir dans le film, et moi je lui avais absolument rien montré de ce qu'on avait tourné jusqu'à la première projection, parce que je voulais surtout pas qu'elle me donne son avis sur quoi que ce soit, donc j'ai attendu qu'il y ait une première projection publique du film, et là je l'ai invitée, puis elle a découvert le film avec des spectateurs, et elle a rigolé, donc vraiment elle est rentrée dedans, elle a vu des personnages, et en même temps elle a raison, parce que quand j'ai montré le film en Égypte, j'ai été attaqué... par un certain nombre de gens qui m'ont dit « mais c'est scandaleux, ce mec, il va filmer les pauvres, c'est dégradant, c'est humiliant pour l'Égypte, c'est une mauvaise image de l'Égypte qu'il est en train de montrer, etc. etc. » donc voilà, après ça c'est presque une question de... C'est-à-dire que moi je peux pas changer le regard des gens, quoi. Moi je peux faire un film, j'ai une vision, je peux essayer de raconter quelque chose, je peux essayer de faire passer quelque chose derrière le film, mais après, voilà, les gens, ils ont leur propre regard, et encore une fois, on en revient à cette question de l'image. On regarde une même image, on ne verra pas la même chose en fonction
de nos croyances et de nos positions idéologiques ou autres. Donc j'ai eu droit à des attaques. De toute façon, j'ai eu droit à tout. Hein. En Égypte, on m'a attaqué parce qu'on m'a dit c'est un film anti-musulman. Je vous expliquerai peut-être pourquoi. On m'a dit c'est un film anti-chrétien, c'est un film anti-égyptien, c'est un film antisémite. Donc voilà. Chacun a réussi à trouver dans le film des éléments pour étayer une vision. Enfin, donc, moi, à un moment, je trouve ça drôle parce que je me dis bon, bah, tant mieux s'il y a tout ça dans le film, c'est que c'est vraiment un film intéressant. Quoi. Pourquoi anti-musulman ? Ça, c'est un journaliste qui m'a sorti ça à un moment là-bas. Il m'a dit ce film est anti-musulman parce que le seul personnage que tu vois, le seul musulman qu'on voit dans le village, c'est le coiffeur. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a un type à un moment qui est interviewé, puis il est en train de. Un barbier en fait, il est en train de raser un autre type, etc. Donc moi, j'entends ça, et c'est vrai que sur le coup, je comprends pas très bien. Je dis oui. Il me dit voilà, c'est anti-musulman. Je dis mais pourquoi et tout. Il dit, voilà comment tu représentes l'islam. C'est un coiffeur, c'est un barbier, c'est un type. J'ai décodé après, hein, j'ai analysé, puis après j'ai compris. C'est un type qui a, pour lui, qui est un domestique en fait. C'est un type qui va travailler au service des chrétiens. Donc c'est un type qui est d'un rang inférieur à un chrétien, d'un point de vue de la hiérarchie. Voilà, donc en fait sa vision, elle est tellement centrée sur une vision... on va dire religieuse des rapports entre les gens, mais comme beaucoup de gens disent, que voilà, lui il a vu ça et du coup il a extrapolé en disant c'est un film anti-musulman parce que voilà, c'est un film qui inverse la hiérarchie. Alors j'ai posé des questions après pour comprendre pourquoi il disait ça, et en fait c'est quelque chose qui remonte comme quoi on est vraiment conditionné depuis des siècles par notre culture. Quand l'Égypte a été envahie par les Arabes, donc ça c'était au 7e siècle, donc l'Égypte était d'abord un pays qui était entièrement chrétien. Tous les Égyptiens étaient chrétiens, puis les Arabes sont arrivés, donc il y a eu des conversions. Voilà. Et puis en fait, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que pour convertir les gens, en fait, les gens avaient le droit de garder leur religion, mais par contre, s'ils gardaient leur religion, ils devaient payer un impôt. C'est-à-dire, si tu peux rester chrétien, mais tu payes un impôt qui était assez cher, qui était voilà, genre 10%, 20%, je ne sais plus, de ton salaire. Donc petit à petit, l'Égypte s'est convertie à l'islam, 20%, 50%, et là on arrive environ à 90% musulmans. Donc voilà, et il y avait le droit de pratiquer les deux religions. Par contre, les bâtiments, aucun bâtiment chrétien ne devait être plus élevé qu'un bâtiment musulman. Voilà, ça c'était une loi comme ça qui a été imposée. Donc les mosquées devaient être plus élevées que les églises en hauteur. Et cette question de la hiérarchie, elle était hyper, hyper présente. À tel point qu'un chrétien ne pouvait pas monter à cheval à côté d'un musulman, parce que sinon il allait se retrouver dans une position hiérarchique supérieure, quoi. Donc du coup, c'était souvent les musulmans qui étaient à cheval, et puis les chrétiens... Et en fait, ce qu'est en train de dire ce type-là, qui est journaliste, quand même, en général, on a fait des études hein, quand on est journaliste, mais voilà, en 2012, il est en train de reproduire, en fait, ce schéma. C'est-à-dire que c'est un schéma qui est encore présent aujourd'hui dans la société, cette idée de la question de la hiérarchie, quoi. Voilà, donc de ce point de vue-là, il a vu ce film, il a vu le film sous cet angle-là, lui. Est-ce que le film est sorti en Égypte en salle ? Non, il ne sortira pas en fait, il est censuré là-bas. Donc... Ah, il est censuré. Là. Il est censuré, donc justement pour cette raison-là, c'est-à-dire que en Égypte, il y a une commission de censure en fait qui est composée d'instances religieuses, donc chrétiens d'un côté, musulmans aussi, et il faut que le film passe tous les caps des différentes communautés religieuses pour être autorisé. Donc en fait, évidemment, il a été bloqué plus par les chrétiens que par les musulmans. Et du coup, il ne sera jamais diffusé commercialement là-bas. Mais moi, ça ne m'a pas empêché d'aller là-bas et d'aller faire une trentaine de projections dans le village. Donc les gens du village l'ont vu. Ouais, ils l'ont vu. C'était un moment assez chouette. Quoi, mais voilà. Mais commercialement, non, il n'y aura pas d'exploitation en salle. C'est quelque chose qui est un peu triste. C'est un peu triste, ouais. Et pour vous donner un exemple de la mentalité un peu... Là-bas, il y a un film qui s'appelle J'aime le cinéma, qui est une espèce de comédie, mais vraiment très populaire, qui a rien de révolutionnaire, où on voit un couple qui s'engueule, et donc ils s'engueulent chez eux, puis après ils s'engueulent dans la voiture, et après ils vont à l'église, donc ils s'engueulent dans l'église, et puis après ils sortent de l'église et ils s'engueulent dans la rue. Et ce film a été censuré là-bas, il a été interdit de diffusion par l'église parce que
parce qu'il y avait la scène où le couple s'engueulait dans l'église. Et comme l'église ne doit pas être représentée comme un lieu de conflit, mais comme un lieu de paix, cette scène a été perçue par les abrutis de la commission de censure comme une scène anti-religieuse. Donc voilà, et encore une fois, on est toujours dans cette question de l'image et de comment les images sont lues et interprétées, quoi. Et quand on a une vision idéologique qui est quand même assez réduite, voilà, on en arrive à des choses qui sont absurdes. Mais voilà, donc comment on fait ? Voilà. On fait avec. Donc après, la question, c'est comment arriver à détourner tous ces trucs pour faire passer un peu nos messages en intégrant le fait qu'un moment va passer devant des gens qui sont parfois pas très ouverts. Dans ton film, je dis, ah bon, oui, il manque toi. À un moment, voilà, on a besoin de te voir parce que tu es en relation avec les gens de la famille, ou avec les gens de la famille, on te voit jamais quoi. Je dis, mais non, mais arrête. J'ai pas envie de me filmer, puis arrête de me casser les pieds avec ça, moi je suis derrière la caméra, etc. etc. Et puis à un moment, en fait, quand j'ai senti que le film partait dans plein de directions, mais de manière voulue, c'est-à-dire que je voulais à la fois faire un film sur l'Égypte, un film sur les relations entre les chrétiens et les musulmans, un film sur ma famille, un film sur les apparitions de la Vierge, je me suis dit, mais c'est un film qui part vraiment dans tous les sens, qui a ni queue ni tête, et je me suis dit, quel est le lien entre tout ça ? Qu'est-ce qui peut relier tous ces sujets qui n'ont rien à voir ensemble ? Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, le lien, il est évident, c'est moi. C'est-à-dire que c'est un réalisateur qui fait un film sur les apparitions. Et à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que j'intègre mon personnage dans le film, c'est ça qui m'a donné ma liberté de travail, parce que je me suis dit, en fait, je peux partir dans tous les sens après. Est-ce qu'il y a pas un lien quand même, dans, par exemple avec Camille Redoux, le vôtre, celui de Rangaine, est-ce qu'il y a pas un lien sur la réflexion sur le cinéma lui-même? Bien sûr. Après, je pense que n'importe quel film peut devenir un moyen de réfléchir sur le cinéma, mais moi j'ai découvert le cinéma en fait comme je disais tout à l'heure, après mon bac, parce que jusque-là, pour moi, je croyais que le cinéma c'était les films américains. Et moi, je détestais les films américains quand j'étais ado. Enfin, je détestais, j'aimais bien pour aller manger du popcorn et puis aller draguer les filles, mais je regardais pas les films comme des œuvres en fait. C'était juste un truc pour se distraire. Et c'est vraiment après que j'ai découvert, à travers des cinéastes comme Buñuel ou autres, que le cinéma c'était un langage et qu'on pouvait inventer une forme à travers le cinéma. Et c'est à partir du moment où j'ai découvert ça que j'ai vraiment adoré en fait cet outil, que c'est pas juste un truc de propagande ou un truc pour abrutir, mais que c'est aussi un moyen de réfléchir et de s'interroger. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a hyper ému. Moi, un de mes profs, en fait, quand j'étais à l'école, m'a dit quelque chose que je trouvais vachement beau. On avait vu ensemble un film des Frères Lumière, je sais pas si vous connaissez les Frères Lumière, qui étaient les premiers films de l'histoire du cinéma, donc de 1895. Et parmi ces films-là, il y avait un film qui était l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. Donc on voyait un train qui arrivait, puis des gens qui descendaient. Et il disait, ce qui est incroyable, c'est qu'on est en train de regarder un film, on est en train de regarder des gens qui sont en train de descendre devant nous, et tous ces gens sont morts. Et le cinéma, c'est aussi un moyen de filmer des fantômes. Et moi, quand il m'a dit ça, ça m'a hyper touché, parce que je me suis dit, c'est génial de regarder le cinéma comme sous cet angle-là. Que finalement, même quand les gens ne sont plus là, voilà, le cinéma va réussir à capter quelque chose d'eux qui va dépasser leur vie. Effectivement, on regardait tous ces personnages, et ils descendent du train, ils ont tous quelque part, et là, il y avait vraiment une dimension tragique du fait de ce que disait le prof, parce qu'ils allaient tous vers leur mort, en fait, en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui a été, moi, qui m'a touché, qui a nourri aussi une manière de réfléchir sur le cinéma. C'est d'avoir conscience que il y a quelque chose d'assez magique et de mystérieux dans le fait de filmer les gens. Et à tel point qu'au village, par exemple, quand on a fait la projection à la fin du film, eux, ils n'étaient jamais allés au cinéma, en fait. Hein. Donc, ils n'avaient jamais vu une projection, etc. Et donc, je leur avais montré les rushs du tournage là, de la Vierge, et je leur avais montré aussi un autre moment, parce que la dernière fois que j'étais allé, c'était 15 ans plus tôt, et j'avais déjà un petit caméscope, et donc j'avais filmé des scènes du village à l'époque. Et donc, comme je leur avais montré un peu tous les rushs, toutes les scènes de l'apparition, etc., et qu'on voulait encore filmer leur visage pendant la projection, donc je leur ai passé d'autres images après, donc des images que j'avais tournées 15 ans plus tôt dans le village, et parmi ces images, j'avais l'image du grand-père d'un des types qui était mort depuis. Et vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé. Donc on a projeté ce moment-là, qui était vraiment une scène d'un type qui marchait dans les champs, qui n'avait rien d'extraordinaire. Il y en a un qui s'est levé, qui a imposé le silence général à tout le monde, et il y a eu un moment absolument incroyable.
et il m'a demandé de repasser la scène 15 fois pour revoir son grand-père, quoi. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'ils font pas de photos, eux, en fait. Hein. Donc il y a très très peu de mémoire des gens. Et tout à coup, à travers ce petit film, il revoyait en fait son grand-père ou le fantôme de son grand-père. Je sais pas comment on peut dire, mais il y a quelque chose de super fort qui s'est passé à ce moment-là et qui fait partie aussi du pouvoir magique, quoi. Je trouve que du cinéma, quoi. On n'est plus dans l'apparition de la Vierge à ce moment-là, on est dans l'apparition d'autres choses. Mais voilà, donc oui, je pense que tous ces films, que ce soit Camille Redoux ou que ce soit d'autres, sont des supports pour aussi essayer de réfléchir sur qu'est-ce que c'est que le cinéma, est-ce que le cinéma peut être autre chose que simplement James Bond ou autre chose. Ceci dit, James Bond, je trouve ça très intéressant aussi, mais il y aurait plein de belles réflexions à faire là-dessus. Mais oui, c'est un langage, et comme tout langage, c'est un outil qui réfléchit sur son propre langage.